giới yêu chụp ảnh phim vừa có dịp tham gia buổi workshop cùng nhiếp ảnh gia người Mỹ Pierre Toussaint tại Thành phố Hồ Chí Minh. Được đào tạo bài bản về phim trắng đen và từng làm việc ở những phòng tối chuyên nghiệp nhất thế giới, anh mang đến những kinh nghiệm và góc nhìn về ý nghĩa của phim trắng đen trong nền nhiếp ảnh hiện đại. Un pouvoir très matériel est lié de manière très physique au monde et en fait c'est presque une histoire personnelle, mon histoire personnelle qui fait que j'ai un besoin vital déjà premièrement de me déplacer, d'être en mouvement dans la rue et deuxièmement j'ai un besoin aussi de garder vraiment des liens physiques avec le monde. Et en fait cette photographie argentique, elle me permet d'entretenir ce rapport très particulier que j'ai au monde, donc ce besoin tactile, ce besoin palpable qui est absolument pas du tout possible en numérique. On dit que ceux qui pratiquent la photographie argentique sont à contre-courant. Moi j'ai vraiment pas l'impression que ce soit le cas, dans le sens où je crois que le tout virtuel de notre monde est quelque chose de très dangereux en fait, et qui risque de nous engloutir, de nous manger. Donc je suis persuadé, quant à un espèce de retour, pas un retour en arrière, mais une prise de conscience que des rapports fondamentaux comme ne plus communiquer que par Facebook ou les ordinateurs, c'est pour moi c'est ça peut pas aboutir. Enfin voilà, c'est il va avoir un retour qui est déjà à mon avis en train de s'opérer, quoi. Em thích cái máy phim là bởi vì nó có thể lưu lại được. Khi mà em nhìn cái hình phim á thì em thấy được cái cảm xúc của trong nó, tại vì nó có một cái hấp dẫn mà từ đầu tới giờ em không thấy nó bị mất đi, đó là khi mà mình chụp thì mình không biết được cái hình cuối cùng của mình nó sẽ ra như thế nào. Au Vietnam, je dans la rue, il y a beaucoup de jeunes qui m'arrêtent, qui voient mon appareil photo et qui disent: ah, tu photographies avec des films. Donc je crois que les jeunes sentent en fait qu'il y a quelque chose qu'il faut remettre la main dessus, sur ce côté concret et palpable. Et c'est valable pour, je prends toujours cet exemple-là, pour la musique, où on voit un retour au vinyle. Pour moi, c'est la même chose, c'est la chaleur du son, c'est quelque chose de physique qui nous touche beaucoup plus en fait. En tant qu'être humain, on reconnaît cette différence en fait. Ảnh đen trắng là ánh sáng phản xạ lại từ những hạt bạc kim loại màu đen. Cái hạt bạc nó nằm trong giấy, nằm trong phim. Nó khác với cả cái việc kỹ thuật số là ánh sáng của màn hình, hay là ảnh in kỹ thuật số là mực phun lên trên bề mặt tờ giấy. Tính chất nó hoàn toàn khác hẳn nhau. Và cái đen của bạc kim loại là cái đen tuyệt đối và nó rất sâu. Cái chất của nó, cái người ta hay nói là cái dùng từ chất ấy, là một cái không thể đo đếm được. Thì bạn phải cầm một cái bản in đẹp, xịn, trên giấy đẹp, do một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, các ảnh gia giỏi, người in ảnh, printer nổi tiếng giỏi in ra, bạn sẽ thấy cái sự khác biệt rất là rõ ràng. C'est très compliqué en fait, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même du matériel et une chambre noire, c'est pas si évident à mettre en place à Saigon. Enfin, en fait, je me reprends un peu. Je dis que c'est pas si évident, mais en fait, c'est une boîte noire. Donc, quelque part, il suffit d'occulter les fenêtres. Tại vì ảnh đen trắng chính là cái mà đòi hỏi tính chuyên nghiệp, tính cẩn thận, tính quyết tâm kiên trì kỹ càng rất là cao, chứ không phải là chơi chơi mua cái máy ảnh số hay cái iPhone về chụp xong rồi up lên mạng rồi bỏ. Thế cho nên rằng là thực chất là ảnh đen trắng và ảnh phim nói chung thì đòi hỏi lao động rất là nghiêm túc. Oui, je pense à une chose maintenant. En fait, moi j'ai fait beaucoup d'écoles de photos en fait. C'était peut-être parce que j'avais pas beaucoup confiance en moi. Donc bon, c'est pas facile quand on est jeune d'avoir confiance en soi. Mais je pense que c'est très important de,
d'ouvrir des livres en fait. Si on n'a pas l'occasion de faire des écoles, on peut apprendre beaucoup de choses dans les livres. Si on n'a pas l'occasion de faire d'école, voilà, on peut trouver beaucoup de choses dans les livres, mais que ce soit en dehors de la photographie aussi, hein, je veux dire, il faut se nourrir de toutes les choses qui sont dans ce monde, quoi. Et je pense que c'est la meilleure manière d'évoluer et d'avancer, quoi.